Ho il piacere anche di accogliere in tribuna d'onore 80 alunni accompagnati dai loro insegnanti che sono giunti al Parlamento europeo per presentare la loro dichiarazione sui diritti del pianeta. Benvenuti, ragazzi. Li ringraziamo. E siamo lieti di accoglierli al Parlamento europeo. Vous m'avez dit, mais Madame Delli, notre déclaration, on veut la faire rentrer au Parlement. Alors je vous le dis, ben les adultes, ils font des promesses. Et ben il y a des adultes qui tiennent leurs promesses. Ce projet, il démarre du lobby de Poissy, qui est une junior association qui s'est constituée suite à la démission de Nicolas Hulot et qui a souhaité s'investir à trois niveaux, au niveau local dans la ville de Poissy, notamment en faisant des marches climat et aussi en nettoyant la ville de ses déchets, et aussi au niveau national en créant une loi contre la pollution lumineuse avec leurs députés de circonscription, et au niveau européen en décidant de mettre en place cette déclaration européenne des droits de la planète. Es ist eine Forderung, was für den Planeten wichtig ist. Es ist wie die Menschenrechte, bloß die Rechte des Planeten, um ihn zu retten und auch um festzulegen, dass man nicht so weitermachen kann und ihn nicht schädigen kann. Er ist auch wichtig, er ist das Wichtigste für uns und man kann ihn nicht einfach schädigen. Cette journée s'est très bien passée, donc avec plusieurs surprises, notamment la rencontre avec le président du Parlement européen et la rencontre avec la présidente de la Commission européenne. Et c'est une journée assez joyeuse et assez pleine d'émotions. Alors la suite du projet, c'est qu'on puisse présenter notre déclaration à la COP25 avec une classe d'espagnol à Madrid et qu'on puisse la faire signer par tous les États. Et aussi qu'elle puisse passer à l'ONU.